pas l'imaginer. De nouveau pour l'équipe de France. Oh, ce gros service encore d'Erwin N'Gapet. Ce ballon directement côté français, c'est jouable. La passe d'N'Gapet pour Clévenot qui trouve la solution. Plus 3 pour les Bleus. Service de Jean-Patry, c'est tenu par Poglajen. Lima pour terminer cette deuxième manche. Et voilà comment l'Argentine, avec ce 25-17, recolle à une manche partout. Oh, gros service qui revient directement côté argentin. Attention, Conte à la passe, Poglajen, le petit ballon dans le dos du bloc, Trevor Clévenot est trop court, et ça fait 25-20, ça fait surtout deux manches à une désormais pour l'Argentine, les Français dos au mur. Erwin N'Gapet qui trouve le bloc out, on aura droit à un cinquième et dernier set dans cette partie entre la France et l'Argentine. Tenuti service. Sur Danani, il est dans un fauteuil de Checo pour servir Conte, c'est dedans! Malheureusement pour les Bleus, c'est dedans!
bien servi. Tonucci. Non. Trevor Klevenot. Et ballon qui va revenir. La balle de 2-0 pour le Brésil dans les mains de Wallace. Ça va revenir directement sur la défense d'Engapet. Wallace encore défendu par Tonucci. Allez, il peut plus jouer derrière maintenant. La passe de Souza pour Wallace, bloc à 3 des Français, le petit ballon défendu par Tonucci, la passe manchette, faut pousser ce ballon, défendu par Thalès, oh quel point, Douglas défendu encore, Engapet pour Trevor Klevenot, oh oui, il s'en sort, Trevor Klevenot. Les services au Lucarelli, Bruninho, qui va chercher ce ballon qui est jouable, Erwin Engapet pour Tonucci, qui va chercher Erwin Engapet, oui Erwin, oui Pépette. Le deuxième set remporté, tenez-vous bien, 39-37 par l'équipe de France qui a fait un pas vers les quarts de finale. Encore un set, Hubert. Aller chercher ailleurs. Hein. Attention, Isaac, gros service à venir. C'est tenu par Grebennikov. Le ballon pour Jean-Patry, le ballon poussé. C'est fait. À deux partout, on peut vous le dire officiellement. L'équipe de France, la France sera en quart de finale des Jeux Olympiques. Le dos d'Erwin Engapet qui rend ce ballon jouable. C'est pas fini, Erwin qui enchaîne. C'est tenu par Klevenot. On est allé chercher Klevenot, justement, c'est soutenu par Erwin Engapet. Le ballon qui est rendu au Brésilien. Bruninho qui va chercher Wallace, c'est défendu. Ça peut jouer, Erwin Engapet qui joue. Bruninho avec Lucas, c'est freiné. Erwin Engapet en première, attention. Il est complètement dingue ce joueur. Bien servi, c'est donné directement au Brésilien. Le ballon de la gagne dans les mains de Bruninho pour les Halles. Et ce ballon qui tombe au sol. Le Brésil qui s'impose 3-2. 20 à 18 au tie-break dans un match contre la Grande-Dinde. Mais la bonne nouvelle, mais on va le rappeler, c'est la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale. On sera quatrième de la poule. On va donc affronter en quart de finale la Pologne pour un quart de finale qui sent déjà la poudre. Chaîner les gros services et voilà pourquoi la Pologne est devant 9-7 dans cette première manche. Alors qu'Erwin Engapet vient de claquer son premier bloc. C'est tenu par Engapet. Brizard qui va jouer au centre avec Le Goff, soutenu par lui-même. Brizard qui va y aller avec Jean-Patry. Le petit ballon soutenu par Léon. Allez, faut faire attention au bloc à out. Et le bloc, il n'est pas out. C'est tenu par Erwin Engapet. Ballon en paille pour Trevor Klevenot. Allez dedans. Et la deuxième manche est pour l'équipe de France. C'est pour l'adversaire. Antoine Brizard. Erwin Engapet, la spéciale Engapet dans le filet. Ballon pour Jean-Patry qui prend le haut des mains. Ce ballon qui va revenir. Léon tout seul qui prend la petite diagonale. C'est dedans ce ballon. Et qu'il faut jouer ce quart de finale des JO. Bien servi encore de la part de Jean-Patry. Allez, il faut le bloquer lui. C'est Médio. Quel bloc de Nico Le Goff. Oh, la belle récepte encore de Grebennikov. Jean-Patry qui trouve la solution. Et voilà, ça pouvait pas se terminer autrement, Hubert. Zatorski, la bonne récepte. C'est oui. Défendu. Allez, allez. Klevenot, pour lancer Jean-Patry. Le petit ballon, c'est jouable. Brizard qui va rechercher Klevenot. Joue-lui les mains. Trevor Klevenot. Rijga qui va servir. Oui, oh, c'est allez, défendu. Allez, Vivine. Allez, Erwin face au bloc à deux. Mais oui, Erwin. Oh, que c'est bien servi. Mais oui, c'est bien tenu, ça. L'attaque de Jean-Patry. Freiné par le bloc polonais. Allez, bloc à 3 là-bas. C'est freiné, défendu allez. Par Klevenot. On peut reconstruire. Brizard avec Martinez-Niezet. Il fait une tente en arrière à 10-6. Drizga qui va chercher Léon. Il est freiné. Et Laurentini. Mais qu'est-ce qu'il fait, Laurent? Il a sauté. Laurentini qui a couru vers le ballon. Au service, c'est tenu par Klevenot. Le ballon sera pour Nick. Oui oui je sais la finale. L'équipe de oui c'est un demi-finale des Jeux Olympiques. Oui, croyez-vous, un truc de malade. Le volley français qui disputait son premier quart de finale au jeu est en demi et ce sera face à l'Argentine. Temps. C'est bien servi de Tcheco. Les deux bloqueurs, c'est défendu avec le pied, ça va revenir. Deuxième ballon pour l'Argentine de Tcheco. Lima qui s'est attrapé, c'est jouable. Antoine Brizard. Et la spéciale. C'est encore défendu de Tcheco, la passe manchette pour Palacios. Oui, et le bloc oui. De Barthélémy Chinenguezé qui a défendu avec le pied.
C'est service au Grebennikov. Brizard pour Ngapet. Ça va être défendu. Ça va revenir. Conte. Poglajen qui ne peut pas attaquer sur ce ballon. Ballon rendu. Grebennikov qui a parlé. Ngapet deuxième. Oh là 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 là. Sur la ligne. Il a Sanchez devant donc. C'est tenu par Klevno. Brizard qui va chercher Ngapet. Ça va revenir côté argentin. Conte pour Lima. Le ballon qui est soutenu. C'est Daka pour Erwin, bloc à 3 devant lui. Oui monsieur. Oui Erwin. Toute la France est derrière toi, Yacine au service sur Danani, de Tcheco qui va chercher. Oui. Oui. Oui, on est en finale olympique. On est en finale olympique. Et en finale des JO. C'est monstrueux. C'est un truc de dingue. Balle de première manche pour l'équipe de France à 24-23. C'est servi, freiné par la bande du filet, Kobzar. Il va aller chercher Mirailov. Attends. Ah, oh, c'est défendu. Le ballon, faut l'attaquer, Trevor Klevno. Oui. Et premier set pour l'équipe de France, qui était menée 22-18 et qui l'emporte 27-23. Sur Kliuka, Mirailov qui se fait attraper par Erwin Ngapet. Sur Kliuka, Pankov qui va chercher Mirailov. Le petit ballon, défendu. Ça, c'est jouable, faut l'attaquer Jean. Oh, il prend le bloc, c'est jouable. Encore Erwin Ngapet. Allez dehors, allez dehors, allez dehors. Knock out. Mais où va-t-il chercher ce point? Jean-Patrick qui sert le feu sur Volkov. Oh le petit ballon défendu par Jean-Patrick justement. Trevor bloc à 3 face à toi. Et tu t'en sors mon garçon. 25-17, l'équipe de France mène 2-0 face à la Russie. Ah dommage. Ça s'enflamme, ça s'envole. Et la Russie qui recolle à 2-7-1 dans cette finale. Il à venir. Freiné par la bande du filet, la réception moyenne pour Brizard qui va chercher Jean-Patrick qui prend le bloc. Et la Russie qui revient de nulle part, qui était menée 2-0 et qui est de retour à 2-partout. On aura droit à un 5e et dernier set dans cette finale olympique. Oh là là, quel service encore de Pankov. Réception compliquée, ça va être dur pour Trevor Klevno qui attaque encore dehors, c'est terrible. Début de tie-break catastrophique. C'est Gouloubev qui a réceptionné. Le ballon poussé, c'est jouable. Klevno pour Ngapet, bloc à 3 devant lui. Oui, 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 oui Erwin. Oui, Erwin. Oh, le nerf. Quelle réception, quelle réception. Quelle réception, quelle réception. Oh, le geste. Le geste, la première main d'Antoine Brizard sur une réception parfaite d'Ngapet. 14-12, deux balles de match, deux balles de médaille d'or. Oh, le geste génial d'Antoine sur cette réception, faire ça à 13-12 dans un tie break en sûr, finale olympique. Faut en avoir, hein. 14-12, service Trevor Klevno, balle de médaille d'or, balle de titre olympique. Allez, Trevor! La réception moyenne, faut le bloquer. Pankov sur Mirailov. Oui, c'est oui, 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 champion olympique, champion olympique. Oh, allez, oui, mais qui aurait dit oui, ça? Vas-y, lâche-toi Hubert, il n'y a pas de caméra, on s'en fout, l'équipe de France est champion de la pique de volley. En début de soirée tout à l'heure à 17h, heure de Japon, heure du Japon. Il monte bien son bras gauche. Regardez comment la néerlandaise, ouais, la néerlandaise qui tend bien son bras vers le bas. Je t'arrive en bas pour l'empêcher de faire judo. Mais bon, d'un côté, elle produit pas non plus. Donc c'est pour ça qu'elle se fait pénaliser. Cliqué tout au long de ce combat. Oui, joli le kata de Clarisse. Voilà, le Wazari qui passe. Les épaules, histoire de pas contrôler ses deux dernières secondes. Et elle le sait, la néerlandaise, c'est fini. Voilà. Mais elle a jamais été en danger. Elle a fait un très bon travail sur le kumikata. C'est très bien ce qu'a fait Clarisse. Elles se sont rencontrées deux fois. Hein, et deux victoires de Clarisse. Avec sa main gauche, Clarisse. Oui. Voilà. Là, ça marque et c'est juste. Bien, net Wazari. Et sans bavure. C'est ça. Tourner comme ça, rester sur le ventre et verrouiller, ce nickel. Serait parfait. Que Clarisse avec Benigno est en finale de ces Jeux Olympiques. Félicitations, Clarisse. Et on va tous ensemble retenir notre souffle de Paris à Tokyo.
Ils sont tous derrière Clarisse. Allez, Clarisse! Allez, c'est parti. Là, c'est dur sur la saisie. Attention, Clarisse. Son bras gauche en haut. Ouais. Oui. Vous voyez la Slovène qui a les bras bien tendus vers le bas. Elle essaie de faire l'étranglement. Elle essaie de l'étrangler. Est-ce ça qu'il tient. Y est non, non. Ça tient, ça, chez Clarisse, c'est ce que nous ont dit beaucoup de ses adversaires, c'est qu'elle est... On ne perçoit rien dans son regard. On ne perçoit surtout jamais le doute. Il faut savoir, eh bien, anticiper des mains bien dans le combat. On ne peut pas être que des temps forts. D'ailleurs, la Slovène vient... se fait pénaliser. Voilà, parce... Ce que j'aime, c'est son attitude à chaque maté de l'arbitre. Et la deuxième pénalité qui va tomber pour la Slovène, c'est Slovène attaquée et en contre. Si ça ne va pas sur une attaque directe. Belle tentative de coaching, arrive à part de Clarisse. Donc... Là, c'est pareil, elle est bien installée. Attention quand même. Allez, golden score. Mais attention, en face, il y a la championne olympique en titre. Hein, c'est bien. Pas n'importe qui. Attention, hein, parce que là, il ne suffit pas d'un hippon, un simple wasari. Notre porte-drapeau va-t-elle se parer d'or dans quelques secondes? Oh, pour moi, il y a wasari. Oui. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame Agbenignou. Oui, madame. C'est fait. Oui, Clarisse, top patron, elle est allée chercher ce petit, c'est magnifique. Elle savait pourquoi elle était là, pour l'or, et elle a cherché Clarisse Agbenignou sur le toit de l'Olympe. Allez, voilà, allez, encore allez, une touche bien, pour la qualification. Il va partir, voilà, et la double. Et la double qui qualifie Romain Cannon en huitième de finale du tournoi olympique. Pression. Il va nous faire ça tranquille. Voilà la touche et la qualification de Romain Cannon. Qui fait tomber Basse Vervillaine. J'ai bien aimé ce regard-là, à la fin. J'ai bien aimé ce regard, Nathanaël. Allez, voilà, c'est ça la solution. C'est pas à toi de partir. Il reprend de longueur d'avance. Allez, encore une fois du vert. Et c'est la demi-finale. Allez, la double, et la voilà, Romain Cannon en demi-finale. Extraordinaire. J'ai les pulses qui étaient montées là. Il élimine le meilleur épéiste du monde. Quelle tension, tension et quel premier tour compliqué pour l'équipe de France, parce que ça soit vrai que la Française est physique.
C'est fait. Oui, oui, madame Pinot. Oh là 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 là, maintenant, ils ne peuvent qu'aller en finale, les Français. Contre l'Israélienne. Et voilà, le hippon. On le sentait venir. Ah oui, oui, oui. Ah, le contre, c'est plus allez, le contre, oui. Wazari. Il est pour essayer de gagner du temps à l'extérieur. C'est juste parfait. 20 sur 20 pour Clarisse avec Benignou. Disputer les Jeux Olympiques. Oui, ah oui, Wazari. Ah oui, Wazari. Il est là. Ça va le faire, Émilie, ça va le faire. Ça va passer pour Axel Clerget. Nickel, Axel. Et dans la tête, et oui. On préfère que le combat se termine regardez, un peu rapidement. Regardez, est-ce que la puissance va parler? Oui, c'est oui. Bon. Elle reste dans l'attaque, c'est très bien ça, Wazari. Wazari à 53 secondes de la fin de ce combat, c'est juste parfait. L'immense tout risque, notre médaillé de bronze. Oui. Et la France est en finale de cette compétition mixte par équipe. La France est en finale et c'est la finale que l'on attendait entre la France et le Japon. On a quand même, Émilie, sur le tatami, la championne olympique jeudi des moins de 70 et la championne olympique des moins de 63, c'était mercredi. Deux championnes olympiques. Ah mais cette finale nous fait rêver par les palmarès, avec deux duels. Oui, Clarisse, ça a marqué Wazari. Oui, c'est yes bon. Yes. Le hippon, le hippon. Eh bien, on pourra dire que la championne olympique des moins de 63 kilos a battu la championne olympique des moins de 70 kilos et l'équipe de France qui est lancée de la plus belle des manières. Tête, c'est dans la tête. Et voilà, ah oui, la oui. Bouche grande ouverte, mais il a le physique, il a le foncier, le français. Il a le mental. Et il a le mental. Il veut offrir ce deuxième point à la France. Ah oui, ah oui, le hippon. Il l'a fait, Axel. Oui, mais oui, monsieur Clerget. Oui. Mais oui, c'est dans la tête et c'est pas ailleurs. Bravo, Axel Clerget. Deuxième point pour la France. Limite pour justement être mieux sur la japonaise, il faudrait être plus mobile. Pas rester dans son jeu parce qu'au final, rester attentif comme ça, c'est ça rentre, son jeu, c'est voilà, son ça rentre jeu. Dans son jeu parce que la japonaise, elle ne fait pas beaucoup d'attaques. Elle a montré aux individuels, elle ne fait pas beaucoup d'attaques. Par contre, quand elle fait des attaques, elle les fait bien. Et voilà, et elle enchaîne sur mes voisins. Voilà, elle s'est donné le bâton pour se faire battre malheureusement. Et le Japon qui va revenir à 2-1. On m'a poussé avec cette jambe-là quand on le voit plancher. Et c'est bon. Oui. Et ça va passer. Bienvenue. Et oui, monsieur. Et voilà, le petit point là. Le petit doigt dirigé vers les membres de l'équipe de France. C'est de l'or olympique. C'est de l'or olympique. C'est de l'or olympique à Wazari. À Wazari. Et ça va déclencher 8 secondes pour de l'or olympique. Parce que la Française de 23 ans est en train de réaliser un truc de fou. Elle est en train de défendre le comme seul, jamais. Le seul. Continue Sarah. Il reste 8 secondes. Et oui, 8 secondes. Bloque tout. 4. Allez, 2. C'est bon, ça va le faire. La France est championne olympique. La France est championne olympique par équipe. Ici au Japon. C'est un exploit monumental. Ah, ce qu'ils ont fait là, mais c'est, ouais, ils rentrent dans l'histoire. Imaginez sur toute l'Olympiade, les Japonais ont gagné à chaque fois. Et là, on arrive au jeu, au Japon, à la maison, au pays du judo, et c'est la France qui remporte cette médaille d'or. Et un premier tir. Ah, ouais. Deuxième tentative, Lucas Ballot, et voilà. C'est bien joué de la part de Nicolas. Et voilà un but qui va le mettre en confiance, dit quand même. Allez, dit quand même. Voilà. Ouais, magnifique, il a 7 contre 6. Ouais, à ce poste de pivot, c'est vrai que... Ouais, beau shoot, le changement. Voilà. Levi Richardson voilà. Côté Nicolas Karabatic, et c'est lui qui va entamer. Voilà. Et c'est la fin de ce match, remporté par l'équipe de France. Avec un premier ballon pour Lucas Ballot, et le premier but. Et le Brésil parfaitement revenu dans ce match, mais réponse immédiate de Dikamem. Éviter la sortie. Et Dikamem, oh là 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 là. Tout à l'heure avec ce ballon. Et Nicolas Karabatic dans ses œuvres. Et nouvelle interception des Français. Et encore un but de Nicolas Karabatic. Et c'est dribblé, ça sert à rien. Allez Hugo Desca. Ouais, beau shoot. Et ça rentre. Touche de balle devant.
Et c'est terminé, victoire de l'équipe de France. Présence de Julen Aguinagalde. Et le premier but, je vous coupe Jérôme, dit quand même qui c'est ses premiers. Et il est là. Oh, bel arrêt. Super bel arrêt Vincent Gérard. C'était son huitième arrêt à Vincent. Parfait, et parfait. Il faut qu'on tienne la balle. Voilà. Oh, le kung fu. Magnifique. Bon, mais, si. Valentin Porte, sans doute, pour le dernier but de France, qui va s'imposer et prendre donc seul la première place. Allez, le ton est donné d'entrée. Nouveau. Eh ben. Et encore un arrêt de Vincent Gérard. Et c'est la fin de ce match. Première défaite de l'équipe de France. Avec Dika même, oui, ça y est. Voilà, il a. Et encore, c'est bien Vincent. Dika même. Et là, magnifique. Et bien récupéré, parfait, Ludovic Fabregas, et ça va vite. Lucas Ballot, c'est bien. Et derrière, son jeu égyptien. Nicolas Karabatic, Nedim Remili. Oh là là, quel Lucas. Peut-être à l'aile avec Mohamed Salah et Vincent Gérard. Oui, il va falloir prendre le tir. Et oui, Lucas. Allez, bientôt les 5 dernières minutes. L'arrêt de Vincent Gérard avec lui. Rien ne peut nous arriver aujourd'hui. Il n'a pas eu de solution. Ah, c'est bien. Et oui, très bien. Parfait, Ludo. Et Ludovic Fabregas. Qui... Oh, c'est exceptionnel, vraiment. Quatrième finale consécutive pour l'équipe de France de handball. Ils ont joué en marchant depuis le premier match. Et dit quand même. Et maintenant, 15 sur 15. Son match. Et là, c'est Ludovic Fabregas. C'est... Il va falloir utiliser le ballon. Ah, c'est bien, Luca. Très bien trouvé, Luka Karabatic. Il s'est trouvé le pio. Ah, là, c'est... Bon, oui, Romain Lagarde. Ballon de plus 4. Oh, superbe, superbe Romain Lagarde. Allez, 5 secondes, le but, très bien, de Quentin Mahé. Et l'équipe de France qui va virer en tête, 14 à 10 à la mi-temps. Rémi, Luka Karabatic qui se bat, ouais, c'est bien, Luka. Nedim Remili. Et le tir à rebond qui rentre. Première demi-finale face à la France.
Oh, le petit lob de Nicolas Karabatic. Romain Lagarde, la passe à l'aile, allez, il faut conclure, Hugo Onesca. Oui, oui. Nolsen. Mais il y a bras levé, ça c'est bras levé, il va falloir tirer assez rapidement. Ballon, si on Mathias prend Kitzel. Et oui. C'est récupéré. Oui. C'est récupéré par oui. Le champion olympique pour la troisième fois. Les Danois de la c'est exceptionnel, fabuleux. Fabuleuse équipe de France qui fait tomber le Danemark. Les champions olympiques, France. France qui met la distance, olympique champion. Dimanche 25 juillet, entrée en lice des handballeuses françaises. On espère les retrouver dans deux semaines tout rond, le dimanche 8 août, ici même, au dernier jour de compétition de ces Jeux olympiques. Et elle est solide. Ouais, Amandine Leno, une nouvelle fois, parade explosive. Oh, ballon piqué, c'est joli. Et Estelle Zeminko qui conclut avec Laura Flip qui insiste. Grazali qui trouve la solution. Ouh, c'était pas facile. Estelle Zeminko. Ça y est, elles sont au complet. Et c'est gagné pour l'équipe de France. Elle y va, Estelle Zeminko, le poteau et le but en deux temps. Allez, Françaises en difficulté. Ouais, Laura Flip, c'est bien ça. C'est voilà. Bien ce qu'elle a fait. Et c'est fini, 28-25 pour l'Espagne. Et on attend évidemment beaucoup mieux de l'équipe de France ce soir, cet après-midi en France. Avec le premier shoot et c'est 2 minutes là sur le 1 contre 1 face à Laura Flip qui a permis à l'équipe de France de recoller. Et avec Pauline Coatanea et le petit ballon à rebond qui prend encore Bunsen. Le dernier shoot, oh, il est magnifique. Et c'est le ballon de l'égalisation dans les mains françaises, le ballon directement. Et le oui, contre parfait, c'est fait. Avec Estelle Zeminko, le 1 contre 1 de Grazadi, la petite passe dans le dos pour Pauletta Foppa. Qui est rentré en attaque. Sercien Golin, oh la Lulu. En 1 contre 1, le show d'Estelle Zeminko, il vaut cher celui-là. Et il met fin à la série des Brésiliennes. Plus 4 pour l'équipe de France et ballon récupéré. 22, on va regarder les Françaises. Ouais. Regardez. Elles peuvent crier et faire la ronde sur ce terrain. Elles sont en quart de finale, cette fois c'est officiel. Et quelle réaction! Je pense qu'elle va aller au bout. Allez Coralie! Oui! Oh, ça part bien ce match! Vos ballons récupérés par les Bleus, c'est bien! Il n'y a pas de gardienne! Et pas de gardienne! Et but! Meilleur des façons, et on surveille le banc qui a l'air blessé à la cuisse gauche et que l'on n'est pas sûr de revoir. France depuis le début de la compétition. Et encore un arrêt! Nouvelle relance derrière! Oh, oui, allez, magique. La passe magique! Pour... Ah, phénoménal! Oh là là, Lucas de Grazadi! Et Laura Flip encore! Hier là, la situation. Oh là là! Sur le terrain pour les Pays-Bas, mais c'est pas autorisé. Donc, plein, c'est vraiment plaisant de les voir jouer comme ça. Ouais! Oh, et oui! Voilà, mais voilà! Du match! Et oui! Et c'est fini! 32-22! Incroyable! Ah, les passes, oui, ça c'est bien, ça c'est très bien joué de la c'est part. C'est bien, très bien, Laura. Et contre-attaque. Oui, wow, c'est bien. Très bien récupéré par Chloé Valentini. Alison Pinault, elle est partout, Alison. Et allez, Chloé Valentini, toujours très efficace. Pauletta Foppa qui sort en Yago Grazadi avec Laura Flip. C'est bien, Laura. C'est bien grâce à Méline Candy avec Océane Sercien, Méline Candy, Pauletta Foppa. Ouais, c'est bien Niakate, Pauletta Foppa. En possession du ballon, la prise à une main d'Estelle Zeminko, c'est bien trouvé, Pauletta Foppa qui continue son festival. Allez, il faut faire l'arrêt Cléopâtre. Ouais. Oui. Ah, yes. Oh, ouais, le double arrêt. Oui, Cléopâtre.
en quart de finale. Cléopâtre Darlot. Ouais, ça y est. Voilà, c'est fini. Oh, l'équipe de France qui exulte, vraiment magnifique. La passe pour Pauletta Fopin. Tire, mais encore l'arrêt, attention, la deuxième chance, très bien. S'était fait recoudre aussi au niveau du menton en début de compétition. Ouais, 7 points de suture. Et Alison Pinault. Et voilà. Cette deuxième période. Oui, c'est Anne Sercien. Oui, grâce à Dino, malheureusement récupéré par Pauletta Fopin. Pauline Quatanea, allez. Attendez, l'arrêt de Cléopâtre encore. Allez. Prise de balle de Chloé Valentini. Oh là, quelle défense. Minute de ce match, l'équipe de France qui va s'imposer. Allez, la relance, très bien, encore la prise de main de Chloé Valentini. Championne olympique, les Françaises, pour la première fois de leur histoire, la seule médaille d'or qui manquait à cette équipe. Fabuleux. Team médailliste olympique champion.